Bonjour, 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 bonjour à tout le monde. Comment vous allez? Comment mes abonnés adorés vont? Voilà, je suis en train de chercher un joli petit nom pour vous. Franchement, malgré les persécutions, on ne fait que progresser, on ne fait qu'évoluer. Dieu merci. Bon, aujourd'hui, c'est un jour spécial où j'aurai une réaction spéciale. J'aimerais juste réagir au direct de mon artiste. Je ne sais même plus s'il reste toujours mon artiste. Parce que bon, hier il s'est adressé à certains fans. Peut-être que je suis dedans aussi. Mais c'était une vidéo pour m'adresser à mon artiste et à mes collègues fans. Et au reste de la Légion. Ceux qui ont attaqué comme ceux qui n'ont pas attaqué. Bien avant de parler à mon artiste, j'aimerais bien m'adresser à tout. Les fans de la Légion. Regardez, vous savez, je vous explique toujours. Peut-être que j'ai un franc-parler. Je suis un peu trop direct dans mes propos. C'est pour cela que beaucoup me targuent de faux fans. Mais voilà ce que je dis toujours dans toutes les vidéos que je fais quand je dois m'adresser à des Bordeaux-Likou fans. J'ai dit qu'effectivement, ce que des Bordeaux-Likou fans dépeignent ou dénoncent, c'est pas faux. C'est vrai. C'est parfaitement vrai. Mais ce qui choque la majorité des fans, c'est le langage, c'est-à-dire c'est sa façon de s'adresser à ses fans. Voilà tout ce qui choque. Sinon, effectivement, il y a beaucoup de faux fans. Mais est-ce que quand on parle de faux fans, je comprends pas en fait. Je comprends pas. Parce que moi, par exemple, je vais vous dire quelque chose. Quand je vois certains fans aujourd'hui en train de fustiger mon artiste comme ça, en train de lui envoyer toutes ces piques-là, je suis un peu choqué, hein. Très 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 outré même parce que je comprends pas moi les rares fois où je viens sur la toile sans injure où je dis des Bordeaux franchement tu devais pas dire ça tu devais pas dire ça tu devais pas dire ça on dit que j'ai manqué de respect à mon artiste on dit que je suis pas un fan on dit que je suis un faux fan ce dernier là encore est toujours sur le même élan de s'adresser de manière déplacée à ses fans vous encore vous avez chargé et cette fois-ci on dirait que c'est chaud parce qu'on dirait que c'est parce que tous les fans même qui sont fâchés. Presque tous les fans. C'est vrai qu'il y a des fans qui sont comme il veut, c'est-à-dire carré, de Bordeaux va m'insulter ma mère, on s'en fout, il va m'insulter bâtard, on s'en fout. Il y a ces fans-là qui existent, mais il y a beaucoup, en tout cas cette fois-ci, depuis son dernier direct et depuis ses différents posts, qui en ont ras-le-bol. Moi, ce que je vous dis, c'est de vous calmer. Vous savez, notre artiste est un artiste d'un tempérament chaud. Vous voyez un peu. Et les gens qui ne savent pas, en fait, c'est-à-dire, avant de parler de quelqu'un, avant de juger quelqu'un, partez voir ses premières vidéos. De quoi il parlait. Quel sujet il abordait. Quelle vidéo il mettait en ligne. Avant de venir le juger et raconter du n'importe quoi sur la personne. Vous voyez, ce que j'aimerais dire, c'est que quoi? Ça, c'est une parenthèse. Hein. Quand je faisais mes vidéos, je disais que. Je suis grand fan de Bordeaux. C'est moi qui le dis. C'est moi et Dieu seul et mes connaissances proches qui le savent. Voilà. La plupart des abonnés ici, c'est des nouvelles connaissances. Donc, ils ne connaissent pas personnellement. Ils connaissent seulement que la personne qui fait des vidéos. Donc, si parce que j'ai fait souvent des vidéos où je me suis adressé de manière dure à mon artiste, sans injure, hein, j'ai dit que des vérités de la franchise, qu'on m'attaquait des faux fans, de vous à moi, ce faux fan, qu'est-ce qu'il peut bien faire encore? Mais malgré ça, je faisais toujours des vidéos pour lui. Hein. Malgré ça, je faisais toujours des vidéos pour lui. Sauf que c'est comme ça que je suis. Je suis un gars pragmatique. J'aime pas tourner de la dentelle. C'est ce que je dis. Je répète encore. Ce dont mon artiste se plaint, il a raison. Il a parfaitement raison. Mais tout ce qu'on déplore, c'est sa façon de s'adresser à ses fans. Ce que aucun artiste ne fait. Même DJ Rafat, qu'on traitait de cancrelat, de tous les noms, a souvent des réserves. Voilà tout ce qu'on se plaint. Voilà tout ce dont on se plaint en fait. Vous comprenez un peu? Donc les amis, calmez-vous. Hein? Calmez-vous parce que c'est pas faux. Ce qu'il dit, quand il dit par exemple, vous parlez, mais qu'il va faire une chose, oh, une musique, vous allez danser, c'est pas faux. Donc faut pas trop s'emballer en fait. Voilà, c'est vrai qu'on est choqué. Moi-même, je suis choqué. Hein? De mon tempérament, ceux qui sachent qu'il allait venir faire cette vidéo-là, il allait chier. Et puis il allait m'insulter comme d'habitude, mais bon. Franchement,
Je ne suis plus à là. Je pense que j'ai compris un peu comment les choses fonctionnent. Donc, je suis sur mes réserves, mais je fais juste cette vidéo-là pour parler aux deux parties. Voilà, parce que je me sens concerné aussi. Parce que jusque-là, je suis encore fan des Bordeaux. Vous comprenez un peu? Donc, tout ce que je vous dis, mettez de l'eau dans votre vin. Notre artiste se sent relâché. Moi, je sais pourquoi, mais je ne vais pas revenir dessus. Mais arrêtez, ça y est, arrêtez de lui répondre, à vouloir. Je comprends, moi je comprends parfaitement, hein, mais laissons ça comme ça. Faisons comme si nous n'avons rien entendu et oublions. Voilà, il y a bon des vents. Il y a bon des vents. Maintenant, je vais m'adresser à mon artiste de Bordeaux, Licofa. Grando, il y a certaines choses que je ne peux pas te dire sur la toile ici. Voilà, il y a beaucoup de choses qui m'ont frustré. Toi et moi, on le sait très bien. Dieu est notre témoin. Mais moi, voici un seul truc que je vais te dire. C'est deux choses. Je reconnais que parce que je t'ai soutenu, t'es vraiment, vraiment soutenu depuis le début, j'ai eu beaucoup de fans. J'ai eu beaucoup d'abonnés, les gens m'appellent de partout, on me fait confiance, on me dit que je suis de bonne moralité. En tout cas, j'ai un nom, un petit nom quand même, vis-à-vis de certaines personnes. Mais tout ce qu'on te dit, c'est de savoir parler à tes fans. C'est tout ce qu'on te dit, savoir leur parler. Les fans, ça s'amadoue, ça ne se brusque pas, ça ne choque pas, ça n'injure pas. Voilà tout ce qu'on dit. Voilà tout ce qu'on dit. Dans d'autres pays, il y a des fans qui vont. L'artiste même, il court même pour demander pardon à ses fans parce qu'il sait que si ses fans sont fâchés contre lui, c'est pas intéressant. Tu vois un peu le vieux. Voilà. Moi, tout ce que je vais te dire, essaie, travaille ce côté-là. Travaille ce côté-là. Parce que ton talent, il est unanime. Mais depuis le talent, c'est-à-dire, tu t'en sors bien, tu vis bien, tu fais de bonnes tournées, mais nous, qui voyons grand pour toi là, on se dit que tu n'as encore rien fait, tu n'es même pas encore arrivé quelque part. Voilà tout ce qui nous fait mal. Et on demande à notre artiste de se calmer, de se ranger un peu, de se professionnaliser un peu et de sortir du lot, c'est-à-dire de boum quoi. Voilà toute l'histoire. Moi, si par exemple, désormais je m'attarde plus trop sur toi, c'est pas que je m'attarde plus sur toi-même, mais chaque fois quand il y a une activité sur des Bordeaux, je réagis. Que ce soit bon ou que ce soit mauvais, je réagis. Voilà. Parce que je me dis, s'il n'y a pas d'infos, on n'entend rien. Tu ne nous communiques rien. On ne sait rien. On parle de toi. Pour dire quoi? Rappelle-toi, quand j'avais demandé à ce que tu rentres dans un silence, on t'a fait vivre sur les réseaux sociaux comme si tu faisais des directs, comme si tu faisais des posts. On ta page. Tous tes comptes étaient inactifs. Mais moi, j'ai fait des vidéos, j'ai fait un mystère autour de toi. Comme si tu étais là, présent. Parce que même ton silence dérangeait. Mais quand tu vois que ce fan qui s'est tant battu pour toi, parce qu'il a le courage de te dire certaines choses, même pas, sans injure, c'est ce qui me choque un peu, sans injure. On le tape de faux fans, mais ce dernier va venir me dire des wado à vie, des wado à vie. Mais c'est pour lui. Parce que ceux qui le tapent déjà de faux fans, dans la tête, c'est un faux fan. Une seule phrase m'a porté projet jusqu'à aujourd'hui. Et puis je la répète toujours. Hein. Moi je dis et je répète, je suis fan des Bordeaux, mais ma chaîne Source TV n'est pas exclusivement des Bordeaux. Parce que mes premières vidéos ne parlaient pas des Bordeaux. Juste pour info. Voilà, c'est parce que j'aime tellement l'artiste que j'ai décidé de faire des vidéos pour lui. Parce qu'en face, il y avait des personnes qui faisaient des vidéos pour chose, oh, son ami. C'est tout, voilà toute l'histoire. Voilà ce que beaucoup n'ont pas compris. Ils vont commencer à me traiter de tous les noms. Mais c'est pas grave. Donc mon artiste, moi j'ai rien à dire à ton direct, tu as dit ce que tu voulais. Mais il faut juste changer ton langage, c'est tout ce qu'on te demande. Change juste ton langage. Parce que les fans, là, tu en as beaucoup, tu n'imagines pas. Si je dis par exemple qu'il y a des hommes de Dieu qui n'écoutent pas les chansons mondaines, qui m'appellent, vous dites c'est bizarre, hein? Depuis que tu as commencé à faire des vidéos pour des Bordeaux, et puis on allait commencer à s'intéresser à sa musique, on n'écoute pas les glicata glicata, mais franchement, lui là, il chante tellement bien, il a une voix divine.
comprends un peu? Ça veut dire que même quand on ne te donne pas l'argent, on fait beaucoup que tu n'oses imaginer. Les gens ont été choqués de nous voir comparer aux fans d'Idi Arafat. Moi, je suis pas choqué. Moi, je suis pas choqué. Parce que même quand je faisais des vidéos pour clasher les fans d'Idi Arafat, je disais toujours que s'il y a des fans qui sont prêts pour les artistes à 1000%, où il n'y a jamais de discorde, c'est les fans d'Idi Arafat. Je le disais toujours, non, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas. Moi, c'est ce que je dis toujours. Moi, je fais cette vidéo, je n'attends rien en retour, mais c'est juste une vidéo de réaction pour éclaircir certaines choses et faire comprendre aux deux parties que l'humilité, là, c'est bon. Parce que Dieu, même quand tu ne respectes pas ceux qui te font, il peut lever sa main sur toi. C'était ma dernière phrase. Que Dieu vous bénisse et j'espère que mon message est passé. Mettez de l'eau dans vos vins. Voilà. Faux fanou, vrai fanou. Mettez de l'eau dans vos vins. Que Dieu vous bénisse et on est ensemble. Ciao, ciao, les amis.